Ron, qu'est-ce qui se passe? On avait fait un bon combat là. On va pas utiliser la pierre. Quoique là on pourrait complètement le tuer, je pense. Là y a pas de problème. Mais j'ai pas vraiment envie d'utiliser la pierre. Je préfère la garder pour les combats quand il y a plein d'ennemis et que c'est vraiment chiant. Là c'est juste un boss, ça va. Ah merde. Ok, là c'est complètement mort. Non. C'est stylé au ralenti. Il a déjoué mon attaque de rage. Pas mal. J'ai quasiment rien fait en fait en rage. Quasiment fait aucun dégât. Non, j'ai loupé avec ça. Merde, c'est mon moyen le plus efficace pour le faire tomber. Rage, oh non, ça. Ah,
Évidemment, il est sur le truc de soin. Ok, ça, par contre, c'est dangereux. Oh non, je suis bloqué, je sais pas. Oh yes. Invoque un loup spectral qui se jette sur l'ennemi à 3 reprises. Ok. Vous avez obtenu une invocation runique. Vous pouvez équiper des invocations runiques sur l'arc serre. Ok. Tu crois qu'on a aidé le mauvais camp? Laisse-moi deviner, tu vas me prendre de haut et... Le roi des elfes noirs qui poursuivait depuis le début, je pensais que ce serait soulagé, mais... Juste avant de mourir, il a dit que les elfes blancs étaient les méchants, parce que c'est vrai. On doit dire que ce temps se battu contre les gentils, les elfes blancs n'ont pas l'air maléfique, pourtant. Mais si c'est vraiment qu'ils ont commencé la guerre, peut-être les elfes noirs faisaient que se défendre, je suis perdu, je comprends pourquoi père voulait rester en dehors de tout ça maintenant. Dire que tu m'avais prévenu qu'il fallait pas s'en mêler. Ça suffit. On peut y aller maintenant. Intéressant. Tu te souviens de la réponse? Oui, oui. Par contre, est-ce que ça a pris en compte les objets que j'avais récupérés avant? Atreus, lis ça. Atreus, qu'est-ce que ça veut dire? Les seules fois où tu me parles, c'est quand t'as besoin de quelque chose. Tu as quelque chose à me dire? J'ai dit que les seules fois où tu me parlais, c'était pour me demander de traduire quelque chose. Si maman est encore là... Si ta mère était encore en vie, nous ne serions pas là. Atreus. Oublie ça. Très bien. Ah. Ah. Donc du coup, on peut repasser ou pas? Non. On peut pas partir. Là, on peut pas revenir au truc, c'est ça que... Bon. Allons nous balader, parce que je me rappelle plus du tout. Faire le tour vite fait, parce que je me rappelle plus vraiment des endroits. Je peux pas passer, non. Je pense pas qu'il y ait quelque chose ici, mais... Juste au cas où, quoi. C'est le coffre.
suivant. Ici, je crois qu'il y avait quelque chose. Un cristal. Ah oui, il y en a par terre. Oh non. Ouais, c'est là. C'est là. Ah oui, il y a la salle aussi. Enfin non, après il y a une salle secrète aussi avec un miroir, mais je pense pas qu'on puisse. Pas encore. Oh la vache. Allez, go. Son chien, il te tape, il s'arrête pas. Le chien est cool, le loup là. Eux, ils tapent à fond quoi. Chier quand ils sont enflammés comme ça. Ah. Oh non, 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 j'ai entendu un cri sur ma gauche. J'espère que c'est juste une erreur. Énergie hautement concentrée provenant du monde entre eux. Okay, cool. Ouais, je pense qu'on l'entend un peu la PS4 maintenant. Ça commence à chauffer en fait. J'espère que c'est pas trop gênant. Faut que je la change de place en fait. Elle est trop proche de moi. Ok, ça pour le moment on sait pas.
Ça va faire 6 heures qu'elle marche. Du coup, je sais pas où aller. Vieille en plus. Bon. Je pense que... Ah, c'est le chien qui s'est rechargé. Je pense que de ce côté, on a tout fait. On peut partir. Il reste après, c'est de l'autre côté. Alors, elle était dans la lumière. Qui? Tu sais bien. Non, elle n'était pas là. Tu t'en fiches complètement de toute façon. Fais attention à ce que tu dis. Si on veut terminer ce voyage, l'un de nous doit rester concentré. Ne prends pas mon silence pour de l'indifférence. Fais ton deuil à ta façon, et laisse-moi faire le mien. Je suis désolée. J'avais pas réalisé. Non. Comment l'aurais-tu pu? Tu ne me connais pas. Je sais que ça n'a pas été facile. Dans la lumière, c'est comme s'il ne s'était écoulé que quelques instants, si ça peut te rassurer. C'est bon à savoir, vraiment. Alors, est-ce qu'on retourne à Midgard pour affronter le souffle noir, ou tu penses qu'il y a encore des choses à voir dans ce royaume? Bonne question. C'est vrai qu'à la base, on devait aller... On pouvait plus passer à cause du souffle noir en fait. Enfin de la brume noire. Il n'y a plus rien à faire ici. Voilà, vous avez été occupé, est-ce que je vois? On ne peut rien cacher. Mon sens de l'observation est légendaire. Vous avez l'air de vous préparer à un long voyage. Il y a un temple abandonné à Midgard qui servait de réserve personnelle à un autre nain. Il y a entassé toutes sortes de trésors qu'il a amassés pendant ses voyages dans les différents royaumes. Dans les différents royaumes? Lesquels a-t-il visité? Et qu'est-ce qu'il en a rapporté? Fafnir était, comment dire, obsédé par sa collection d'objets magiques. Plus il en avait, plus il en voulait. Aucun royaume n'était trop dangereux et aucune relique hors d'atteinte pour lui. Une fois, il a même traversé tout Niflheim pour une pierre à aiguiser. Ça devait être une pierre à aiguiser très spéciale. Où est-ce que tu veux en venir? J'y arrive. J'ai justement une pierre de passage pour la réserve de Fafnir. Ça pourrait vous servir. Génial. Merci, Sindri. De rien. Oh, et si vous trouvez cette pierre à aiguiser, j'aimerais beaucoup que vous me la rapportiez. Peut-être mieux, la leçon. Sauf quand je parle. Je vous conseille d'être prudent si vous visitez cette réserve. J'y suis allé il y a plus de 100 ans et toutes sortes de créatures indésirables s'y étaient installées. Ton ami sera pas fâché si on lui vole son trésor? Oh. Non, pas du tout. Il est mort, je crois. Oh, désolé. Non, ne t'excuse pas. C'est ce qui arrive quand on va de royaume en royaume pour collecter des objets précieux qui ne vous appartiennent pas. Ah. J'ai récupéré. Alors, on a tué un monstre, il a fait tomber un objet, on l'a pas pris, c'est ça? Un peu étrange.
Oh, mais je ne t'oublie pas. Micro détecte moins la voix, ouais. Bien. Pas trop de solutions en fait. Là. Bon. Bon, on peut rien faire. On pourrait augmenter notre armure, mais je pense que ça serait de la perte. Je pense que ça serait plus de la perte qu'autre chose. Il y avait autre chose ? Allez, on avance. Père, j'ai un aveu à te faire. Toutes ces voix dans ma tête, c'est pas la première fois que je les entends. Quand on a rencontré Brock, sa bête m'a prévenu que quelque chose se cachait dans les arbres. C'est pour ça qu'elle voulait pas traverser. Elle t'a parlé ? Eh ben, je ressentais tout ce qu'elle ressentait, et je savais ce qui lui faisait peur. Si ça recommence, dis-le-moi tout de suite, d'accord ? Je te le promets. Mais on a des zones inexplorées, là. Ah, mais on peut prendre des bateaux sur les côtés, non ? Non, j'ai rien dit. Genre là, là, il y a un truc, là. Là aussi. Je sais pas. Je sais pas. Et maintenant ? Nous avons la lumière. Retournons à Midgard. Pas du tout. De toute façon, je pense qu'on pourra revenir. Royaume disponible, Midgard est au centre des royaumes pour retourner à Midgard. Okay. On va retourner à Midgard. C'est fou que tous les royaumes existent dans le même espace. L'un au-dessus de l'autre. En fait, cette salle nous permet de voyager sans nous déplacer. Que j'ai fait moi. C'est là Midgard ? Ah, c'est bon. Brock ! On a visité un autre royaume et on a rencontré ton frère. Enfin, pas dans cet ordre. As-tu laissé ce fichu bon à rien toucher à la lame ? Hmm ? Tu es au courant qu'il a perdu son talent, pas vrai ? Il s'est réveillé un jour et il était parti. Il a essayé de m'entraîner dans sa chute. Hmm. Est-ce qu'il a esquinté ce petit bijou ? Bien au contraire. Hmm. Ouais, même un cochon aveugle arrive à dégoter une truffe une fois l'an. Mais tu sais ce qui compte vraiment ?
la régularité. Et moi, c'est une chose que je peux garantir dans tous les domaines. Qu'est-ce que tu as fait ? Une retouche. Les mecs, ils sont tout le temps en train de taper sur ma hache, et je sais pas ce qui se passe. Dans quel royaume vous étiez fourré ? Laissez-moi deviner. Alfheim ? Comment tu sais ? C'est à cause de l'odeur. J'avais l'habitude d'y passer pas mal de temps. Mais j'y suis plus le bienvenu depuis l'incident. Il s'est passé quoi ? Eh ben, je suis pas sûr que ton père apprécie que je t'en parle à cause des noms d'oiseaux, du vol et des parties de jambes en l'air. Quoi ? Ne me juge pas. C'est toi qui sens l'elfe à plein nez. Ça me rappelle des souvenirs. Allez, file ! Il faut que je batte le fer tant qu'il est chaud. Ok. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Faut que je batte le fer tant qu'il est chaud. Alors, défense 30. Oh la vache. C'est pas mal ça quand même, hein. Les stats, c'est chiant. Il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de vert. Je sais jamais quoi mettre, en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, petit ? Les ennemis en l'air subissent des dégâts... Non, subissent plus de dégâts. En mode tir rapide, les dernières flèches infligent plus de dégâts. Les ennemis étranglés par subissent plus de dégâts. Augmentent les dégâts d'étourdissement infligés par les attaques au corps à corps. Augmentent les pouvoirs de pierre de guérison. Permet à Kratos de trouver... Ah, c'est pas mal, ça. Ou alors ça... Enfin, je sais pas. J'hésite entre... Les étourdissements, c'est mieux. Ou les soins. Non, on va prendre les soins. Par contre... Par contre, l'argent. On pourrait tout vendre. Et après, on peut racheter ou pas. Sûr que tu te sens soulagé. Un truc pour le petit. Go Goldo. C'est bien passé machin. Wildlands. Ah, t'as corps à corps ou pas? Ou alors guérison. On va prendre ça pour le moment. Et c'est ça pour voir. Besoin d'autre chose? Non, j'ai plus d'argent. Bon. De quoi d'autre on avait parlé ? Pourquoi je peux pas y aller ? Du chemin qui mène au souffle noir. Bien sûr. On doit traverser le pont qui donne sur la tour de Vanheim. Est-ce qu'on retourne voir le souffle noir ou est-ce qu'on va explorer ? Exploration. Exploration, fiston. Exploration. Je sais qu'il y a des endroits où c'est que... Il y avait les cristaux, donc maintenant on va pouvoir tirer dessus.
Ah, mais il est terrible, hein, God of War. Là, là aussi, je crois qu'il faut tuer des monstres et je suis parti, je crois, parce qu'ils sont trop. Enfin, ils étaient trop à l'époque. Ouais, c'est ça. Ok. Ah mais non, mais ils étaient 4 ou... Non, ils étaient 5. Niveau 5. 6. Ouais. Que je fais, mais c'est que dalle, c'est rien. Non ? Oh la vache, il m'a pas touché, putain, la chance. Je me fais toujours one shot. J'ai pas envie de tester. C'est très drôle qu'il monte de niveau. C'est un peu étrange que tu puisses pas les faire tomber par-dessus leur froid, c'est exprès. Toujours deux, oui. Bien vu. Bien vu, gamin. En fait, ils sont déjà buffés, je crois, parce qu'il y a un aura et tout. Par contre, pas corps à corps. Pas du Ah, le chien, j'avais oublié. On a déjà notre rage. Oh la vache.
Mieux que Survive. Ouais, je dois avouer. Mieux que Metal Gear Survive. Je reconnais des lettres ici et là, mais il nous faut le reste du code scriptural. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, gamin? Bon, Eden. C'est quelque chose qu'on pouvait pas faire avant, maintenant on vient de le faire, c'est cool. Je sais pas maintenant. Ah, peut-être là-bas. Ah non, ça c'est le poison, on peut pas y aller encore. Je vois quelque chose où, gamin? Ah. Non. Je pense qu'on va continuer la principale. Je me rappelle pas de... Je pense qu'il y avait un cristal, mais je sais vraiment plus où. Je suis pas sûr. Si la forteresse des nains, on peut y retourner, mais bon, pas envie, c'est loin. On devrait utiliser les portes pour se téléporter aussi, ça aiderait.